se fait, mon ami? Voyons. Hé! Quoi de neuf? Je reçois cette semaine mon nouveau Durango. Ouh! Tu veux-tu aller le chercher, faire le tune-up dessus? Tu es malade, toi. Tu sais que ça signifie pour moi l'arrivée d'une nouvelle voiture? Oh que oui! Un paquet de tickets de vitesse. Non, c'est pas ça, c'est... Le véhicule est à moi, ça fait qu'il n'y a personne qui y touche. C'est à moi, ça fait que pas touche. Non, mais Denis, il faut bien que le gars, il descende du camion pour le livrer. Non. Je grimpe sur le camion, je le descends du camion. T'es pas un petit peu maniaque, là? Mais non, c'est une tradition. C'est mon grand-père faisait ça, mon père faisait ça, c'est viscéral. Je vais être le premier à caresser ses courbes. Je vais être le premier à enlever le plastique sur ses sièges. Je vais être le premier à sentir l'odeur de ses cuirs. Là. Je vais être le premier à l'entendre gémir quand je vais l'allumer. Denis, Denis, t'es sûr que tu parles d'un char, là? Oui, pourquoi? Non, pour rien. Denis! Je veux pas péter ta balloune, mais c'est sûr que tu seras pas le premier à conduire ton auto. Ça a sûrement pris quelqu'un pour le prendre dans l'usine puis le monter sur le camion, tu sais. Fait que tu vois, t'es cocu. Ça compte pas, ça. De toute façon, on va pouvoir l'essayer vendredi. Pourquoi vendredi? Ben, on sort pas ensemble? Non, vendredi, je peux pas. Ah! Oh. Mais pourquoi tu fais ce face-là? Non, c'est juste que, tu sais, je pensais que ce vendredi-ci, là, on ferait quelque chose de spécial, tu sais. Ben, pourquoi on ferait quelque chose de spécial ce vendredi-ci? Non, pas rien, oublie ça, t'as mieux à faire. Oui. Ah oui, j'ai mieux à faire. Une fille, j'imagine? Oui, ça fait 4-5 fois qu'on essaie de se voir, mais elle avait toujours un empêchement. Quel empêchement? Son chum, là. Mélanie, tu viens? Ben oui. À quelle heure? Oh, arrive vers 7 heures, ouais. Oh, Roxane, tu viens au surprise de mon chum? C'est quand? Vendredi soir, attends un peu. Est-ce que j'ai le goût, moi, d'aller manger un repas gastronomique dans un grand restaurant ou des sandwichs pas de croûte dans un vieux garage qui pue? Ça va, j'ai compris. Bon, ben, je vais aller y acheter un cadeau. Vous auriez pas une suggestion? N'importe quoi de chez Gros Dépôt. Good. Toi, qu'est-ce que tu as acheté? Oh, une autre toilette obsession. Sans ça. Ça sent bon. Ça va faire changement de son parfum habituel. Lequel? Quaker State. Oh, Jean-Louis, tu viens toujours vendredi? Oh, j'ai peur de devoir décliner ton invitation, Sylvie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas trop, mais je me sens vraiment pas bien. J'ai des douleurs à la tête. As-tu pris des aspirines? Eh oui, mais ça passe pas. Est-ce que c'est cancéreux? C'est peut-être juste une crampe au cerveau. Ça va passer d'ici vendredi, Jean-Louis. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas tout. J'ai aussi de la difficulté à respirer. Desserre ta cravate, ça va passer. Non, c'est parce que j'ai peur que ce soit plus grave. Ah, quoi? La grippe aviaire. Grippe aviaire? T'as mangé du poulet contaminé? Non, mais c'est parce que je suis allé faire de l'observation d'oiseaux en fin de semaine, puis je pense que je me suis un petit peu trop approché. Jean-Louis, arrête de t'inquiéter. C'est sûr que c'est le fruit de ton imagination. Non, mon imagination. Parlons-en de mon imagination. Elle s'en va chez le diable, mon imagination. Comment ça? Ben, je pense que je fais un début d'Alzheimer. Alzheimer. Ben oui, j'oublie tout. Tiens, hier soir, par exemple, Titlaine et moi, on a joué au Monopoly, puis j'ai passé go, puis j'ai oublié de réclamer 200 $. Oui. Ça arrive à tout le monde, ça, là. Ben, en tout cas, peu importe, j'aime mieux pas prendre de chance. Alors, je me suis permis de prendre un rendez-vous chez le médecin cet après-midi pour en avoir le cœur. Ben non, t'as pas besoin d'aller chez le médecin, là. Ce dont tu souffres, c'est évident. Ben, c'est quoi? Ben, t'es hypochondriaque. En plus? Ben non, malheureusement, vendredi, je peux pas. J'ai déjà quelque chose. Colin, y a personne qui est libre. Même pas Sylvie? Ben non, elle a la garde des enfants. Puis tu demandes à Pat? Ouais, mais il va être occupé à cocufier un pauvre diable. Ben tant mieux pour une fois que ce sera pas toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Nicolas? Ben là, Germain, combien de fois mon père t'a piqué des filles? Pas tant que ça. Ben, il y a eu Martine. C'était pas ma blonde. Ben non, c'est sûr que tu l'as piqué avant. Après ça, ça a été Rachel. C'était pas ma blonde, elle non plus. Hey, c'était ta fiancée.
Hein? Après ça, ça a été Manon, Julie, Sophie... OK, OK, Francie. Nicolas, j'ai compris, là! Sache que tout cela est du passé. Je vis désormais une relation inébranlable et réciproque que personne ne saurait venir m'arracher. Mais non, je le sais, là, Germain. Garde, je voulais juste te rafraîchir la mémoire un peu. Oui, allô? Non, il n'est pas ici. OK. OK, c'est beau, je vais faire le message. Merci, bye. C'était pour Denis? Ouais. Probablement sa date de vendredi, là. Mais non, c'était Sylvie. Puis, est-ce que c'est grave, docteur? Avant de vous répondre, j'aurais quelques questions à vous poser. Allez-y. Avez-vous des douleurs à la tête, genre migraine ou autre mot de tête? Oui, 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 parfois. J'ai beau prendre de l'aspirine, ça passe pas. Et au niveau des poumons, ça va? Oh non, non, ça va pas du tout. J'ai de la misère à respirer. Et la mémoire, ça va? Du tout. J'oublie plein de choses. L'estomac? J'ai des brûlements. Les intestins? J'ai des crampes. Les reins? Le gauche ou le droit? Les deux. Le gauche, il est paresseux, puis le droit, il m'élance. Et le cœur? Oh, le cœur, vous comprenez bien que dans ma situation, il palpite sans arrêt. Mm-hmm. C'est bien ce que je croyais, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est terminal, docteur? Eh oui, j'en ai bien peur, oui. Rassurez-vous, je vous prescris à l'instant un remède miracle qui va vous remettre sur pied en moins de deux. Là. Oh. C'est quoi? Ben voyons, il n'y a rien, il y a juste votre signature. Mais justement, vous n'avez rien. Allô, mon doudours! Tu m'embrasses pas? Où est-ce que tu étais après-midi? Au bureau. Ah, c'est drôle, hein? J'ai téléphoné, puis on m'a dit que tu avais pris ton après-midi. Ben oui, c'est vrai. Je suis partie plus de bonne heure, j'avais du magasinage à faire. Du magasinage? C'est drôle, je vois pas tes sacs. Sont dans l'auto. Ah? Je peux-tu te demander où est-ce que tu es allée exactement? Voyons, toi, t'en poses bien des questions. À croire qu'on est mariés. Non, mais je suis allée à la quincaillerie, là, chercher une coupe de vis, c'est tout. Seule? Ben oui, pourquoi? Ah, parce que ça a l'air que Denis aussi a pris son après-midi pour supposément aller magasiner. Ah, ben c'est un hasard. Vivi, j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Mais voyons donc! Où c'est que tu vas chercher des idées pareilles, mon gros nounours? Inquiète-toi pas. Tu sais bien que je suis pour toi un grand livre ouvert. Ouais. Probablement que je me fais des idées. Viens ici que je te colle un peu. Tu m'as tellement manqué. C'est quoi cette odeur-là? Quelle odeur? On dirait un parfum d'homme. Ah, Mais non, tu te mêles avec ton odeur habituelle, là. Ah ouais, laquelle? Quaker State. Puis, il te reste combien de jours à vivre? Hey, ris pas de ma situation, Roxane, c'est pas drôle. Bon. Est-ce qu'il t'a trouvé quelque chose? Ben non, justement, il m'a rien trouvé. Oh, même pas un ongle incarné. Ben là, une bursite au coude. Un bleu sur une fesse. Non, rien. Oh. Mais ça s'arrêtera pas là. Mais là, Jean-Louis, le docteur t'a dit que tout était correct, tu devrais être content. Hey, ça paraît que c'est pas toi qui souffle le martyr dans ton corps, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je cherche l'adresse d'un deuxième médecin pour avoir une deuxième opinion et régler mon problème. Jean-Louis? Oui. C'est parce que tu devrais chercher dans les P. P?
P, pourquoi? Ben parce que psychiatre, ça commence par P. Je pense qu'il se doute de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a pas arrêté de me poser des questions. Je me sentais comme une arabe aux douanes américaines. On devrait peut-être y dire. Non, 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 non. Je vais lui faire une surprise. Hop, tiens. Je te laisse son cadeau. J'ai trop peur qu'il le trouve s'il vient à la maison. Hé, hey, Mimi! Vivi? Ah! Allô, Germain! C'était donc bien ton auto qui était stationnée en face. Oui. Oui, il fallait que je vienne porter un dossier à Denis. Oui, un dossier très, très important. Quel dossier? Honda. Mais je veux dire, c'est un projet de fusion entre Honda... Et Chrysler. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Je vais y aller, moi. Les enfants m'attendent. Bye, mon gros nounours. À demain, Sylvie. Bye. À demain, Sylvie. T'es rendu pas mal familier, Denis. Oui, jamais. Je la connais depuis plus longtemps que toi. Denis, ne me prends pas pour un imbécile! Je sais que tu me caches quelque chose. Et au nom de notre amitié, je te donne la chance de me le dire en pleine face. Non, non, j'ai rien à cacher, moi. Ah non? C'est quoi ce sac-là, d'abord, hein? Ouais. J'avais besoin d'une coupe de vis, c'est tout. Ah ouais? Puis ce poil-là, c'est ton épaule, là, c'est quoi, ça? C'est pas un poil, c'est un cheveu. Blond? Blond, je perds mes cheveux, Germain. De toute façon, c'est quoi cet interrogatoire-là? C'est quoi, ça, ce parfum-là, hein? C'est mon nouveau parfum. Puis-je l'odoriférer? Oh, je le savais! Je le savais! Germain! Oh, Jean-Louis! Hein? Jean-Louis, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, oh, mais c'est ça que t'avais une poussée d'acné. Je pense que j'ai fait une réaction aux médicaments. Aux médicaments? T'avais dit que ton médecin t'avait rien prescrit? Ben le premier, non, mais pas le deuxième que je suis allé voir pour avoir une seconde opinion. Il t'a prescrit des médicaments? Ah oui, oui, plein, toutes sortes de petites pilules de toutes sortes de couleurs. Bon, ben ça t'apprendra à pas faire confiance à ton médecin de famille. Ben oui, je le sais bien. Puis en plus, le deuxième médecin, j'aurais dû me douter qu'il était peut-être pas fiable. Comment ça? Ben juste à cause du nom de la clinique, là. Hein? Quel nom? Doc Dépôt. Nicolas! Chaffrir avait une petite fille, je pense qu'il meurt. Mais voyons donc, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Nicolas! Rien qu'un cœur qui n'a jamais aimé autant que le mien ne puisse comprendre. Quoi? Nicolas, regarde-moi comme fort les deux oreilles! Et dis-moi sincèrement! Avec qui ton père batifole-t-il présentement? Hey boy, t'as-tu un bottin de téléphone? Réponds-moi sérieusement, jeune homme! Tu es le dernier en qui j'ai confiance. Ah oui, ben, présentement, ben, il voit personne. Personne? C'est donc que tu fais partie, toi aussi, du complot? Quel complot? Inutile de nier, Nico, je sais tout! Bon, t'as deviné. À mon grand âme, oui. Et maintenant, veux-tu bien me dire depuis combien de temps est-ce que ça dure? Ben, depuis à peu près un mois, là. Un mois! Un mois! Et moi, dans ma grande lucidité, je n'ai rien vu venir. Ben oui, mais c'est un peu ça le but de l'opération, là. Nicolas! Il ne me reste qu'à trouver leur benzodrome. Oh, wow. Et les prendre en flagrant délit. Là, de quoi tu parles, là? Tu as très bien compris. Je sais tout, Nicolas, et je vais les confronter de ce pas. Bon, hé, hey, gars, Germain, là, je sais pas où tu t'en vas, là, mais je pense que ça serait une bonne idée de pas prendre ton char. T'as raison, Nicolas. Je vais les confronter de ce pas en taxi. Je pense que je fais une réaction aux médicaments. Aux médicaments?
quel médicament? Je vous ai rien prescrit. Non, vous, non, non. Mais le deuxième médecin que j'ai vu pour une seconde opinion, lui, oui. Pardon? Oui, je sais. J'aurais pas dû... Vous êtes allé voir ailleurs? Ça a été plus fort que moi. J'ai pas pu m'en empêcher. Vous me brisez le cœur, monsieur. Excusez-moi, docteur. Ça a été une étourderie de ma part, comme un moment de folie. Mais je vous promets que ça se reproduira plus. Ah, de belles paroles, tout ça. Mais savez-vous au moins ce que cela signifie, une relation docteur-patient? Mais oui, mais... Avez-vous pensé à tout ce qu'on a bâti ensemble? À toutes ces heures passées, seule à seule dans l'intimité de mon cabinet? Ça ne compte pas pour vous, ça? Je m'excuse, et ça se reproduira plus, jamais. Sortez immédiatement de mon bureau. Mécréant, je veux plus vous voir. Hors de ma vue. Guidoun du médecin. Bon, là, vous allez aller vous cacher là-dedans. Quand il va arriver, je vais lui dire d'aller chercher son cadeau. Puis là, vous allez ouvrir la porte, puis bam! Mais vous sortez, mais pas avant. Bon, Denis, tu baisses les lumières. Ah ah! C'est ici que je te trouve! Germain, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, cesse de feindre l'innocence, Jézabel! Bourreau de mon cœur, je sais tout de ton petit manège! Oh, t'as deviné! Oh, que oui! Et je suis extrêmement déçu que tu sois venu faire ça dans mon garage! Oui, mais où c'est que tu aurais voulu que je fasse ça? C'est pas moi chez vous, chez Denis, d'un motel chic, mais pas ici! Mais Germain, je te suis pas, là! Tu n'iras donc l'évidence jusqu'à la fin, Judas. Eh bien, soit! Je lâche le morceau! Je sais tout de tes galipettes extra-conjugales! Quoi? Oui! Et je sais que mon rival se cache derrière cette porte, car tu me trompes avec Denis! Ah ah! Et Nicolas! Et Mélanie! Surprise! Veux-tu bien me dire comment t'as pu croire que j'aurais pu être tentée de coucher avec Denis Jarret? Hein? L'expérience, Vivi. Mais t'as pas à t'inquiéter, je serai jamais intéressée par Denis. Puis même s'il restait juste lui puis moi sa planète, là, ben l'espèce humaine serait en danger d'extinction. Vivi, je t'aime. Oh, moi aussi, mon grand fou. Tu sens bon. Ton parfum me donne des idées. Yo, ce serait pas mieux de ramasser un petit peu avant. Hein? Pourquoi ramasser? Le party est pas fini. Il te reste un cadeau à déballer. Oh oui, lequel? Monsieur Dubuc, il semble que j'ai été clair la dernière fois qu'on s'est parlé. Écoutez, docteur, je le sais que j'ai commis une faute grave. Et je le regrette sincèrement. Et tout ce que je désire, c'est qu'on oublie tout ça et qu'on recommence à zéro, vous et moi. Mm-hmm. Donnez-moi une chance. Ça a été un moment d'égarement, je vous le répète, une pulsion instinctive qui m'a poussé vers un autre. Mais si ça peut vous consoler, j'ai même pas eu de plaisir. Ah ouais? Vous avez pris conscience que ce que vous m'avez fait m'a laissé une grande blessure sur mon cœur. Je suis sûr que les aiguilles du temps sauront la recoudre sans laisser de traces. Mais vous savez que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Oh, je le sais, je le sais, je le sais. Et si vous êtes d'accord, on va y aller tranquillement. En ami. D'accord, d'accord, d'accord. Oh! Merci, docteur. Vous savez pas à quel point vous me soulagez. Bon, ça va, ça va. Garde, c'est sûr que je vais continuer à travailler avec Sylvie au bureau, mais en ami. Tiens, je vais peut-être un jour l'inviter au restaurant, mais en ami. Tiens, peut-être qu'un jour même, je vais la prendre dans mes bras, mais en ami. OK, ça va, j'ai compris, là. Veux-tu même dire qu'est-ce qui t'a pris? Ben, tu sais, Denis, si je me fiais juste aux antécédents, là, j'aurais dû avoir des doutes bien avant ça. Sylvie, c'est un collègue de travail. C'est comme un chum de gars avec du rouge à lèvres.
tente pas, des fois? Pas tout. Même pas un petit peu? Pas du tout. Et s'il ne restait que vous deux sur la planète Terre, est-ce que la race humaine serait en danger d'extinction? Pour la race, je me sacrifierais, mais seulement pour la race. Ben, ça me rassure. Bon, ben, moi, je vais aller chez mon concessionnaire. Mon Durango devait rentrer hier, mais on m'a encore appelé. Ah oui? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Denis, je me dois de te faire part de quelque chose. De quoi? Eh bien, vois-tu, hier, dans un accès de rage et dans un esprit de vengeance, j'ai cherché un moyen de te rendre cocu à ton tour. Non. T'as pas conduit mon Durango avant moi? Oui, mais en ami.